à 60 secondes ce soir, on la prend. Soit. Hop là. Ah ouais, elle est grosse, elle me prend 3 places. Attendez, je veux prendre ma femme avant la fin du temps. Comme ça, j'aurais pris toute ma famille. Ouh, gros patapouf. Vas-y, vite. Le mur, là, le trou. J'ai ma femme. C'est bon, par contre, j'ai pas d'eau, pas de bouffe, quoi. Ça, c'est sympa. Ah, avant que le temps, il faut que je sois près de mon abri. L'échiquier, ça ne sert à rien, mais je prends. La radio, la radio, la radio, la radio. Oh là là, je suis trop lente. Je suis... Ah, oh, j'ai raté la porte. C'est trop dur. C'est le jour 1, celui qu'on retient. Ah, oh, oh, trop marrant. Il s'est pas rasé. Si par hasard, tu trouves le hamster de tes petits, est-ce que tu vas cuisiner l'animal? C'est le hamster des enfants. Non, je peux pas. Ah, moi, je pourrais pas manger mon hamster si c'était le mien. C'est lui qui va nous bouffer, c'est ça? Du coup. Imagine. Bien choisi, cette boule de poil va grossir et dans quelques jours fournira un repas beaucoup plus nourrissant. C'est dégueulasse. Quand on a vu la porte de l'abri s'ouvrir, on sautait au plafond. Marie-Jeanne est de retour. Ah, c'est la fille Marie-Jeanne. J'ai cru que c'était ma femme. Pas du tout. J'ai deux boîtes de soupe. Un cadenas. Pourquoi faire? Marie-Jeanne est malade, a été blessée, elle est fatiguée. Super. Oh putain, la gueule de la meuf, j'avais pas vu. Elle est dégueulasse. Vous étiez déjà dans vos lits quand quelqu'un a troublé votre sommeil en frappant à la porte. Est-ce que vous ouvrez la porte? Je sais plus, j'ai envie d'ouvrir. Et si c'est pas ça, on va se faire tuer dans notre sommeil. Fin. Ok, très bien. Donc le test est réussi, l'essai est concluant. Est-ce qu'on ne ferait pas en action réelle? On va prendre en mode normal. On n'est pas des tapettes, mais en même temps, bon, on va pas non plus s'aventurer sur un terrain glissant. Vite! Oh, je vais prendre des trucs. La trousse à pharmacie, de l'eau. Ah non, j'ai plus de place. Vite! Cours, gros pachyderme. Il est trop lourd. Il est, c'est abusé. Elle est là. Le cadenas, je sais pas à quoi ça sert, mais on peut prendre. J'ai pas de bouffe, la lampe me gêne. J'ai rien à manger. Allez, viens chérie. Hop. Il me faut de la bouffe. J'ai pas le temps. De l'eau. Ah non, Nao, c'était le coup de trop. Non. Je suis morte. On va recommencer. Ça, c'était un pour du beurre. De la bouffe, Nao, prends de la bouffe. Moi, je prends tout sauf la bouffe. Je vais pas bouffer mes enfants, quand même. Go. 1, 1, 1. Oh. Où est mon abri? Pas du tout. Oh, ils sont près de l'abri. Tiens, viens là, toi. Elle est grosse. Hop. De l'eau. La lampe me gêne. Je suis bloquée par la putain de lampe. Le gosse. La lampe. Quoi? Des cartes? Mais j'en veux pas de tes cartes de merde. J'ai pas de bouffe, c'est ça? Si, j'ai deux bouffes ou... Oh. J'ai un jeu de cartes. Pourquoi faire? Super. Eh, on se fait une petite belote là, comme ça, ok. Timmy va choper un torticolis à force de regarder son ami invisible. Non mais en fait là, il ne veut pas cohabiter avec ces gens. Il dit non, ce n'est pas ma famille. C'est une erreur dans le casting. Je n'ai rien à voir avec ces personnes. On va envoyer elle avec la valise. Jour 7. La semaine. Marie-Jeanne, quand est-ce que tu rentres? La situation est simple. Soit on se lave bientôt, soit on tombe malade. Gravement malade. Oh, du shampoing et tout. Mais je ne peux pas, je n'ai rien. Je... Non. Restez dans votre crasse. Merde, cette puanteur, comme elle est horrible. Surtout ne pas vomir, surtout. Oh. Timmy est en mauvaise santé, il a attrapé quelque chose. Elle est malade, elle aussi. Tout le monde est malade. Très bien. Nao, c'est pas du shampoing, c'était de la mort au rat. Merde. Du shampoing à la mort au rat. Sympa. Je vais soigner le père. Oh là 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 là, il faut qu'elle revienne. Reviens. Jour 9. Putain. Elle est de retour. Elle a amené de la bouffe, j'espère. Deux soupes. Nice.
plus 2 os, plus un fusil, plus une radio. Nice! Mais d'où vient ce flic-floc et pourquoi diable mur est humide? Est-ce l'inondation? Ah, la radio ou les cartes? La radio! Mais d'où il y a une inondation dans un bunker, donc du coup j'ai plus mon jeu de cartes! Oh là là, il y a presque plus rien. Alors, écoutez la bonne traduction. On juste finissait le déjeuner. Quand on a entendu quelqu'un frapper à la porte, le visiteur s'est introduit comme un marchand en quête de munitions. Qu'est-ce qu'on fait? Donc en gros, mon mari est parti, enfin le père est parti dehors avec un fusil sans balles. On est d'accord. On va lui donner, peut-être qu'il va nous donner quelque chose en échange. Ou il va nous tirer dessus avec. Oh, oh ce serait hardcore. Je lui donne pour voir s'il fait ça. Le fusil est déglingué de ouf. Lui, il est malade. Le prochain qui part à l'expédition, il meurt. Alors, c'est elle qui va aller à l'expédition. Lorsqu'on a ouvert l'abri aujourd'hui pour laisser entrer un peu d'air radioactif frais. Excellent. On va ventiler un peu le bunker. On a trouvé une petite valise sur le sol. Faut-il jeter un coup dedans? Oui! Peut-être qu'il y aura de la bouffe. Et là, il y a un gros cafard mutant. La valise a explosé. Tout le monde va bien. Quand Marie-Jeanne est rentrée de sa dernière expédition, elle n'a pas avoué être blessée. Il semble que la blessure est infectée et Marie-Jeanne ne va pas bien du tout. On doit l'aider, mais j'ai rien du tout. Oh, une hache! Genre, il voulait carrément l'amputer, quoi. Elle est encore en vie. Je m'attends à ce qu'elle crève d'une minute à l'autre. Hein. Je sais pas pourquoi, mais... Jour 20. Oh, elle est revenue! Il y a à bouffer. Oh, la pharmacie! Alors du coup, on amène Timmy. L'armée émet encore. Leur priorité est de localiser tous les survivants. Ce soir, un avion va passer au-dessus du quartier, tandis que nous, on doit sortir et donner des signaux avec une lampe de poche. Mais j'ai pas de lampe de poche. On va mourir. Oh, elle est morte. Putain de merde, pourquoi je lui ai donné de l'eau alors? C'était pour qu'elle meure le lendemain. Si j'avais su, j'aurais donné à la fille. Oh, et puis on reste avec le macabé, là. Jour 26. Mais mon Dieu. Oh, il s'en fout. Je sens qu'on est bien parti pour être sauvé par l'armée dans la seconde hein, qui vient. Et il revient pas d'expédition, lui. Marie-Jeanne était furieuse quand elle a appris qu'elle ne recevrait pas sa ration d'eau. Elle a claqué la porte de l'abri en criant qu'elle allait obtenir de l'eau par n'importe quel moyen. Elle semble avoir un pied dans la tombe, il doit immédiatement boire quelque chose, mais j'ai rien du tout. Fin. Merde! On a passé 29 jours dans l'abri. Putain, vous n'avez pas survécu. Je vais refaire une partie vite fait. Allez, la valise. Voilà, là il y a de la soupe, de l'eau. On prend tout. J'ai pas pris d'enfant, de femme, de rien du tout. Je veux le truc à pharmacie. Ma femme. Mon fils. Où est ma fille? J'ai pas le temps. Il me manque un gosse. Pourquoi j'ai pris le cadenas? Ça sert à rien. Il faut qu'on dépasse un mois. Objectif, on dépasse un mois de survie. Bon, objectif, l'idéal, ce serait de survivre. Effectivement, je sais, mais... Bon, c'est un peu difficile. On envoie Timmy avec... la valise. Il y va armé, le gosse, tu sais. Allez, nous, mais non, nous, on fait des enfants soldats. On lui a appris à tirer au stand de tir à l'âge de 5 ans. Oh putain, il est devenu cinglé déjà. Mais comment c'est possible? Jour 7, ça fait une semaine. Il est revenu! Oui! On va tenter de l'amener en expédition quand même, vu qu'il parle avec sa chaussette. Il va se tirer une balle, maintenant qu'il est ok. Ça va être sympa. Jour 9, à mon avis, on va pas survivre longtemps. Hein. Quelqu'un frappe comme si le sel lui tombait sur la tête. Ouvrir ou pas? Allez, on ouvre, parce que de toute façon, on a presque plus d'eau. On ouvre. On est fou, on ouvre. On est un peu suicidaire sur cette partie, je trouve. Alors du coup, elle est malade. Super! Le visiteur, c'était un gars sympa, bien énigmatique, en combinaison insolite. Il nous a donné quelques boîtes de soupe, ça devrait nous aider à survivre les jours à venir. Il est revenu avec de l'eau! Oui! Oh, là, une radio! Personne ne peut aller en expédition, c'est formidable.
Timmy nous bombarde d'implorations de lui laisser sortir sur la surface et d'explorer les alentours. Est-ce que Timmy devrait sortir? Oui! Peut-être qu'il va nous ramener quelque chose. Oh! Une trousse à pharmacie! Yes! Elle est guérie! Est-ce qu'elle irait pas en expédition, du coup? Ah! J'ai plus d'eau, plus de bouffe. Jour 25. Timmy a très faim, il lui faut de l'eau. On donne les munitions. Pas la radio. On a de l'eau! Oui! Oh non! Juste quand j'ai ramené de l'eau, putain! Il n'y a rien de pire que le manque d'eau potable. Poussé à ses limites, Timmy n'avait plus le choix. Il a ouvert la porte de l'abri. Il est parti sans jeter un regard vers la ranière. Il y a de drôles de champignons sur le mur. La vision de mourir de faim n'est pas trop attirante. Peut-être une ou deux bouchées. Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire? Non! On va pas bouffer les champignons sur le mur. C'est des moisissures. Merde, quelle est dégueulasse. 31e jour! Ouh, le record. Jour 34. Elle est toujours vivante. Elle va mourir d'un coup d'un seul, je vais même pas comprendre pourquoi. Alerte! Quelqu'un essaye de forcer l'entrée, ce n'est pas un voyou solitaire mais toute une bande. Il faut se préparer sinon on finira mort ou pire. J'ai mon arme, j'ai un fusil. Allez Dolores, tu peux les défoncer. Pique-leur leur trousse à pharmacie. Ah, par contre, bon, j'ai plus de fusil du coup. Quoi? La radio est pétée, putain! Elle a pété la radio, quoi. Le seul truc qui nous rattache à la vie, à la délivrance. Écoutez, tout le monde est mort, il n'y a plus personne à la maison, écoutez bien. Aujourd'hui, le calme et la tranquillité de notre abri ont été perturbés lorsque Dolores, elle parle d'elle à la troisième personne du coup, a soudainement sauté sur ses pieds et elle a commencé à maudire la radio. Là aussi, toujours, c'est elle qui raconte la scène. Nous l'avons prié de s'asseoir et de se détendre, mais qui donc? Ses amis invisibles. Une bande de voyous frappe à la porte en nous ordonnant de nous rendre et de leur donner tous nos biens. Quelle réponse donner à ces racailles? Eh ben j'ai rien, j'ai pas de canard, j'ai pas de hache, j'ai pas de fusil. Je pense qu'ils vont la violer, hein, puisque c'est tout ce qui reste, quasiment. Et deux boîtes de soupe, pardon. Donc c'est la fin. Ah, ça fait bugger le jeu carrément, hein. Bon, on va dire que j'ai gagné, hein. Moi, partant de ce postulat, ça veut dire que j'ai gagné, vraiment. Du coup, je vous fais des bisous et on se retrouve demain. Ciao, bye bye!